Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Seigneur des Fourneaux. Aujourd'hui, on va voir une petite astuce très simple qui va te permettre de reprendre un petit peu la lame de ton couteau si celui-ci est un peu émoussé. Voilà, donc c'est le cas de celui-là. Il n'est pas forcément bien aiguisé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai des pierres, j'ai de quoi faire chez moi, mais dans le cas où j'aurais rien, où je suis chez des amis par exemple, j'aide à cuisiner puis j'ai un couteau qui taille pas et ça m'énerve, une petite solution très très simple pour pouvoir reprendre un petit peu le fil du couteau et permettre à celui-ci d'avoir un tranchant qui redevienne bon. Alors, comme vous pouvez le voir, je prends un papier, j'essaye de couper, c'est pas terrible. Ça vaut rien, hop. Donc la solution pour pouvoir réaffûter un petit peu mon couteau, quand on n'a rien, c'est tout simple. Je prends un bol que je vais retourner. Donc un bol en céramique ou en porcelaine, peu importe. Et vous voyez sur ce bol, vous avez donc cette partie ici, qui n'est pas peinte, et qui est de la céramique pure. Donc l'idée, ça va être tout simplement de prendre mon couteau, de le poser contre le bord, de faire un angle d'à peu près 20 degrés et de le passer. Puis dans l'autre sens. Hop. 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 Etc. etc. Alors ça marche avec un bol. Ça marche aussi avec une tasse. Un petit mug tout simplement. Je passe ma lame dessus. Et ainsi de suite. On va tester pour le coup. C'est mieux. C'est pas terrible encore. Mais je rentre, voilà, un peu mieux dans le papier. Voilà, c'est tout simple, il suffit de passer un petit peu plus longtemps que ce que j'ai fait là pour la vidéo, mais à la fin vous devriez avoir quand même un tranchant qui devrait être un peu mieux que ce que vous aviez à la base. C'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous trouvez le contenu intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, peut-être que vous avez d'autres méthodes pour aiguiser vos couteaux de manière non conventionnelle. Moi ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous. Un petit j'aime en commentaire aussi de temps en temps sur les autres vidéos, ça peut être sympa aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.